Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. Salut les pirates, je vous kiffe. Qu'est-ce que c'est les pirates? Eh bien, on est des personnes d'une communauté bienveillante, positive. Eh bien, on est des gens qui sont philosophes, qui sont sages, qui sont dans l'action, qui sont forts, qui ont envie d'avancer dans leur vie, qui sont au top. Voilà, nous, on est au top. On est des pirates qui ont des grosses chevilles aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de motivation du matin, bien évidemment, et de calme. Parce que comme vous voyez, le capitaine des pirates, il est calme! Si vous arrivez sur cette chaîne, qu'est-ce que c'est cette communauté? Oui, on est une communauté où on s'entraide, on met des commentaires, on met des pouces en l'air pour diffuser nos idées, on a des formations à notre disposition, on a des coachings à notre disposition. Tout ça, vous l'avez en descriptif de cette vidéo pour apprendre à être des pirates, à passer les crises existentielles de vos conjoints, à comprendre la vie. On fonctionne ici à partir des neurosciences, à partir de la sagesse orientale. Ouais, on fait tout ça, nous, on est là. Et bienvenue à la communauté des pirates. À partir du moment où vous voulez en faire partie, ben, il suffit d'en faire partie. Voilà. Vous y mettez un commentaire, des choses, et vous faites partie de la communauté de pirates. Vous lisez, vous intégrez, vous faites les formations, vous faites les coachings, vous faites tout ce que vous voulez, et vous devenez des pirates. Qu'est-ce que c'est un pirate? Un pirate, c'est quelqu'un qui vit avec force, avec maîtrise, avec bienveillance, et qui sait maîtriser ses pensées, ses émotions, parce qu'il a fait des formations, qui connaît la stratégie, qui sait comment se détacher, qui sait comment détecter le mensonge. Tout ça, c'est des formations, vous les avez, c'est trop bien. Et l'une des qualités du pirate, et c'est pas la moindre, c'est de prendre le temps de réaliser calmement tout ce que vous entreprenez. Vous avez les pirates, on a une chance, c'est qu'on a le temps et la nature qui sont avec nous. Et ouais, et quand on a deux alliés, le temps et la nature avec nous, parce qu'on a appris la patience, hein, alors il n'y a pas de formation sur la patience, la prochaine ce sera sur la sexualisation, et comment créer, quand son conjoint est en crise, retrouver une sexualisation avec lui. On n'a pas de formation encore sur la patience, mais je vous la fais, c'est promis, vous me l'avez demandé, mais on sait se détacher émotionnellement. Donc on sait prendre le temps de réaliser calmement tout ce qu'on entreprend. On ne confond pas. Parce qu'on est des pirates, on ne confond jamais agitation et efficacité. Les pirates que vous êtes, vous savez vous concentrer, parce que vous avez la formation sur maîtriser ses émotions. Et quand on sait se concentrer, eh bien on a une réelle efficacité sur tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a le temps. Parce qu'on sait que quand on a un conjoint en crise qui tape des pieds, qui n'est pas content, qui crie, c'est pas grave. La crise existentielle, ça dure qu'un certain temps. On a notre force à nous. On sait qu'il ne faut pas prendre de décision sous les émotions. On le sait. Donc quand quelqu'un a beaucoup d'émotions face à nous, on ne prend pas de décision parce que par le neurone miroir, il va nous les coller. C'est son stress, c'est sa colère. Donc vous savez, quand on est en crise existentielle, on est très en colère. Donc on attend que la colère se passe et après on prend les décisions. Dès qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend le temps de bâiller, de s'étirer. Ah, on est des pirates, c'est trop bien. Hein, c'est ce qu'on appelle la pendiculation, pendiculation. Oh, c'est bon, on est des pirates. Le matin, on le sait qu'on est des pirates. On est des pirates, on prend la journée comme ça. On sait qu'on a le temps, on sait qu'on maîtrise ses pensées, on sait qu'on a des émotions, mais on sait les maîtriser. On sait qu'on a des coachings à faire, on sait qu'on a des formations à vivre, des expériences. Et ouais, on le sait, on est bien. On nous fait un coup de pendiculation. Oh, c'est bon ça, allez, on est motivés les pirates. D'ailleurs, tant qu'on n'est pas trop réveillé, les pirates, il faudrait nous demander. Nous, on est comme ça. Hein, il nous faut que 2 minutes, mais les 2 premières minutes, on a besoin de se concentrer. Notre attention, finalement, on va la retrouver même dans les repas. Même quand on fait notre toilette. Même quand notre conjoint est en crise. Même quand notre patron n'est pas là. Même quand. Pff, ouais, on se sent bien. On se sent bien. Tranquille. Hein, on est avec nous. On sait faire. On est entre l'action et le plaisir. On est des pirates. Entre l'action et le plaisir. On est motivé. On est dans l'action et le plaisir. Voilà. On prend son temps quand il faut. Et quand il faut agir, on agit. Alors là, on met la patate après. Après, ça rigole plus. Mais on prend son temps. On attend que l'on soit dans le préfrontal pour agir. Les mouvements de votre pirate. C'est vous le pirate? Ouais, je sais. Les mouvements du pirate vont se situer à mi-chemin entre l'action et le plaisir. Ça, c'est. Ouais, l'action et le plaisir. Prenez votre temps. Quand on est pirate, on prend son temps, on est trop bien. Qu'est-ce qu'ils font les non-pirates? Ben, le matin, ils sont mal réveillés parce qu'ils ont mal dormi, ils ont pas dormi du sommeil du juste, ou alors dès que le réveil sonne, vite, 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 ils se lèvent. Non, ça, c'est pas bon.
Ou alors, comme ils ont mal dormi, comme les criseux le matin, faut pas me parler, hein, faut pas me parler le matin. Là, mais le pirate, il dort bien parce qu'il a des ondes binaurales, il a les fichiers de neurohypnose, dans les formations, il dort bien. Hein, le pirate, il prend son temps pour prendre son petit déjeuner. Il dit quels vont être mes kiffs d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, quelles formations j'ai à faire, avec qui je vais aller, avec qui je vais discuter, comment je prends du recul. Voilà, tranquille, vous prenez votre douche, tranquille. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et on sait s'arrêter de temps en temps dans la journée quand on est un pirate pour faire des pauses, tranquille. Voilà, on fait une pause, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui me manque, tiens, je me prends 5 minutes, je me fais une neurohypnose, je me fais une vidéo de formation, cool. Le calme se construit. L'écoute de vous-même, ça se construit, et après, ça devient une seconde nature. Le calme et l'écoute de soi-même, ça, c'est être pirate. On a le temps devant nous. Qu'est-ce qui fait le pirate? Qu'est-ce qu'on sait faire plus que les autres? Eh bien, on sait ralentir le temps. On sait prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Même si notre conjoint est en crise, nous, on sait être bien. C'est ce qui fait la différence entre nous, les pirates, et les autres. Nous autres, les pirates. Eh bien, nous, on prend le temps de nous réveiller. Voilà, on prend un bon petit déjeuner qui nous fait plaisir. Hein, on choisit notre tenue la veille. Comme ça, on sait déjà pendant la nuit comment on sera habillé. C'est cool. On y pense le soir. Il n'y a aucun stress. On apprécie nos moments personnels. On peut se faire couler un bain. On sait faire. Si vous êtes une femme, vous allumez des bougies, vous faites brûler des encens. Tout ce qu'on fait peut être positif. Je vais dans la voiture, je prends la voiture, je vais au travail. Ben, j'écoute une formation. C'est que des audios, plutôt que d'écouter des informations. Oui, bah, je regarde le fil d'informations d'actualité sur Google ou sur France Info, ça dure 3 minutes et puis c'est fini. Après, j'écoute mes formations, voire j'écoute de l'humour. Hein. J'apprécie les moments. Au moment du déjeuner, qu'est-ce que je fais quand je suis un pirate? Je ne mange pas de deux là, sur le coin du bureau. Non, je vais flâner, je vais marcher, je vais continuer à écouter des formations, je vais me faire de la neurohypnose, je vais discuter, je vais répondre à la. Je mets des commentaires en vidéo. Ouais, je suis un pirate, je suis dans une communauté. Quand je rentre du travail, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai un sas de décompression. Hein. Là, personne ne me dérange. Je fais mon bilan de la journée, je dis qu'est-ce que je vais faire ce soir. Je me prépare, je regarde comment écriseux, comment écriseuse. Je joue un peu avec mes enfants s'ils sont là, je discute, je taquine, j'ai de l'humour. Tiens, qu'est-ce que je peux détecter dans l'actualité qui peut avoir de l'humour? Et ensuite, je préserve mon sommeil parce que je suis un pirate comme un sanctuaire. La nuit, j'éteins mes écrans, je suis bien, je me fais une neurohypnose avant de m'endormir, je me prépare pour le lendemain, je dis quels sont mes kiffs du jour, quels seront mes kiffs demain, comment je m'habille, et je dors bien. Et quand je me réveille le matin, ah, paniculation. Vous voyez quoi, c'est ça les pirates. Allez, on se motive à devenir comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est des pirates? Eh bien, on sait ralentir, on sait réaliser nos tâches calmement, avec plaisir. Et on est efficace. C'est pour ça qu'on est efficace. Voilà, ça c'était notre motivation du matin. Allez, Bruno se calme. Hein. Bruno, t'es un pirate, tu te calmes. Bon, allez, je vous laisse mettre les commentaires, je vous laisse mettre les pouces en l'air parce que, ben oui, il faut que ça se sache qu'un pirate, on a envie. On maîtrise la situation, on est des sages, on est des philosophes et on est dans l'action du plaisir. Voilà, on sait qu'il y a des personnes qui traversent des crises actuellement, et ben, et les traversent. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, s'ils ont besoin, on est là, bien évidemment, mais sinon, il faut qu'ils traversent la crise. On a traversé les nôtres et on en traversera d'autres. Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire qu'il faut s'abonner à cette chaîne, voilà, qu'il faut mettre des pouces, qu'il faut mettre des commentaires. Ah oui, vous avez le canal Telegram, je vous mets toute la journée des mèmes que vous me faites. Les pirates, ils font des mèmes, des images avec des petits extraits de formation, des extraits de ce que je dis dans les vidéos, des extraits. Et je vous les mets sur le canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. C'est le canal des pirates, ne le répétez pas, il est qu'à nous. Allez, Bruno Marchal, capitaine pirate. Ça, c'est vous qui le dites. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.